Bonjour et bienvenue, et il pleut toujours. Il pleut toujours. Donc on a quelques trucs à faire aujourd'hui. On va essayer de faire le boss, le temple. Le boss d'abord, parce que le boss c'est rapidement fait. Après on a un temple à explorer, et on a ça aussi. Donc on va prendre déjà les missions pour, et après on fera l'Idéric. Donc peut-être que l'Idéric ça va nous prendre un moment, je sais pas. Mais ouais, on a des missions sympas là. On a un peu d'influence. Donc. Genre hop. On passe à 700. C'est quoi ça? On gagne 150 de plus. Ça fait 132. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça a marché, ok. Pas mal. Pas mal. Et après le tombeau des anciens. D'accord. Va te faire foutre, merci. Voilà. Et après ça, on n'a qu'à le prendre si on passe à côté. Je sais pas où ça va être. Ouais, ça va. Et comme j'ai dit, les rats sera pour un peu plus tard. C'est parti! Donc on doit vendre aussi des. On doit vendre du. De la brouée d'anguille à des marchands. Mais bon. Je sais pas à quel marchand en fait. J'imagine que c'est à n'importe quel marchand. Bon, on va enquêter sur la. Oh, descendre. On va enquêter sur la disparition du gosse. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? On vient de casser la gueule. Qu'est-ce que je te dise, moi? On vient enquêter. Pas besoin de d'être aussi agressif, hein. Vraiment pas besoin, hein. Qu'est-ce qu'ils sont agressifs ces gens? Alors 4, 3 et 3, ça va. Ça va, ça va. Wiltorus, hacker. On peut mettre Lucie pour eux. Et Klaska, elle est ouf. Russe. Ah, oh, Klaska est déjà en position et tout ça, ok, ça marche. Nickel. C'est parti. Ah, on a. Ouais, nos points de bravoure aussi, c'est un peu un problème. Ah, mais ils ont pas de vie, les machins. J'aurais bien voulu attendre. Notre bonus de dégâts, mais bon. Est-ce que vous voulez parler ou pas? Maintenant. Non, toujours pas. Ok. Alors maintenant, est-ce qu'on discute ou pas? Non, toujours pas. Ça marche. Dégâts. Enfin, on peut faire ça après.
Voilà, c'est bien ce que je pensais, parce qu'au bout d'un moment, on va discuter quand même. On n'est pas des bêtes, on est civilisés. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On n'est même pas recherché par la garde. Le fils d'Ovenborg, pourquoi vous le cherchez? Il vous doit de l'argent à vous aussi? On l'a pas, on ne sait pas où il est. Cette nuit-là, on l'a vu entrer dans le bordel, on a attendu qu'il en sorte toute la nuit, mais un petit matin, quand on est rentré, il n'était pas là. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a disparu. Okay. Genre, on les a massacrés, on peut pas, genre, prendre tout ce qu'ils ont sans que ça soit du vol. Ok, vous avez reçu une lettre de la fraternité entendant les nouvelles de votre enquête. Ouais, tu veux que ça marche. Genre, là par exemple. Attends, bouge pas. Putain, attrape-le. Genre là, le marchand. Prends du sel. Genre, je lui vends un truc. Bourré d'anguilles, tiens. Tiens, il y a un marchand bizarre là. Flèche, poney, ravageur. Je sais pas, y a rien qui se passe, j'en sais rien. Mais genre, est-ce que ça peut être un n'importe quel type de vendeur? Parce que putain, là, on est dans la merde. Hein. Il y en a beaucoup des vendeurs. Hein. Tiens, tu veux aussi? On va plus avoir à manger. Je sais pas si c'est ça exactement ce qu'il faut faire ou pas, mais. Ouh, pas mal. Deux emplacements. C'est intermédiaire et c'est niveau 6. Intermédiaire niveau 6. Il faudrait une nouvelle arme. Ah oui, non, toi tu as. J'ai un dit, j'ai un dit. Non, on peut pas, de toute façon. Toi aussi, tu fais un bruit d'anguille? Les mecs, ils vont nous prendre pour des fous. Hein. Genre, on donne des bruits d'anguille. Enfin, on vend des bruits d'anguille à n'importe qui. Tous les marchands qui passent. Je sais même pas si on va avoir assez pour nous, en fait. Pas si, mais. Il va nous falloir du porc, hein. Il va falloir qu'on tue le sanglier bientôt. Ouais, là il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Faut qu'on aille en récupérer d'autres des sangliers. War et Wanart, c'est amélioré, ok. C'est bien, c'est des deux archers en plus. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut, Wit? Ça fait longtemps que t'es avec nous, toi. Faut avouer que je suis pas peu fier de moi. D'aucuns pourraient considérer que je suis indispensable. C'est vrai que, oui, avec ton épée, maintenant, de l'expérience. J'avoue que oui, avec son épée, maintenant, oui, ça fait mal, quoi. Très mal, même. Ah putain, il y a des connards. Comment je passe, moi? Des connards partout en plus. T'es sérieux? Volonté plus 1. Jacques du capitaine. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est léger en or. Léger en or. Est-ce que. Critique 4. Toi aussi, t'en veux? On va devoir acheter de la nourriture avant de partir. Bon, me cassez-vous, les mecs. Parlementer. Non?
Non, c'est mon argent. Enfin, honnêtement, ils donnent pas beaucoup, hein. On peut passer. Hein, mais... Ah, ils font chier, j'aime pas cette ville. Hein. Enfin, c'était impressionnant, mais au final, je suis pas fan. Hein. Parce que on se fait agresser à tous les coins de rue, putain, on dirait mon quartier, quoi. On va essayer de pas utiliser de bravoure. Non, mais ça m'étonnerait qu'on y arrive en fait. Enfin, je voudrais pas utiliser de bravoure. Mais pour voir les tuer en un tour en fait. Donc du coup, oui, c'est compliqué, oui. C'est compliqué. Ah oui. Ah oui. Très bien. Nickel. Très bien. Taurus, tu vas nous défoncer lui. Bon les mecs, on peut... Vous savez, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas obligé de rester et de vous faire massacrer. Hein. N'y a pas de poison, mais... Voilà. Même sans poison, la mort arrive. Attends, je peux me mettre là. Là, ça devrait être bon. Il devrait tuer les deux, là. Ah, merde. Ah, fait chier. Ah, oui. Yes. Très bien. On n'a pas trop perdu. Non, bon, d'accord, ok. T'as déjà vendu des trucs. À ce passage-là, mais il y a des cons. Putain, est-ce qu'on peut passer? Merci. Descendre. Ah, on a l'allée qui vient de monter de niveau. Alors, c'est Cédric Ovenborg qui vous envoie. Peut-être que vous allez pouvoir nous rendre tous les crônes qu'il nous doit. Non, on le cherche aussi. Tiens, c'est bizarre, pourquoi c'est pas... Il y a une sorte de bug là. On a un sanglier truffier? Non, même.
What? C'est niveau 8, donc on devrait même l'avoir. Je sais pas, c'est bizarre. On va la garder, on va lui mettre constitution, je pense. Ouais. On avait une bonne. Les dominantes à un moment, c'était. Elle avait de la vie en plus, mais elle est morte pendant la guerre des 30, je crois. La bataille des 30. Et celle qu'on avait depuis très longtemps aussi. Je pense pas que ça soit celle-là, en fait. Celle-là, c'est la nouvelle, oui, parce que les points d'habilité sont pas les mêmes. Donc elle, c'était la nouvelle qu'on avait trouvée, qui était niveau 8, là, de la quête du mec là, qui parlait aux cochons, il allait se faire bouffer par les cochons. On pourrait combattre? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allô? On va attendre. Ok, je sais pas ce qui se passe. C'est un problème là. Moi je vais attendre 2 minutes encore, mais bon. Ah, ça y est. Alors, les gros débiles. Ils sont où le reste? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est grand. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est encore des... Des paysans, quoi. T'es sérieux? Au moins, on a fureur. Et galvanisation. Ne tue pas notre sanglier, on en a besoin pour bouffer. Sérieux. Sans déconner, quoi. Très bien. Parfait, parfait. Il y a qui d'autre? Il y avait un groupe autre part aussi, non? Ah oui, voilà, là. On a l'ours pour ici. Va pas t'engager, hein. Connasse. On va aller l'aider. Yes.
J'aurais pu faire Kourou à la place. Ok, c'est bon. Alors, laissez-moi, j'oublierai la dette de Lydéric. Je ne sais pas où il est, ça fait des semaines qu'on le cherche pour récupérer nos crowns. Il nous échappe à chaque fois. Et on n'est pas les seuls à lui courir après. Ses dettes de jeu sont tellement élevées que tous les parieurs sont à ses trousses. Ça marche. Bon, bah, il n'est pas en ville, quoi. Eh bien, merci, il paraît que vous prenez du bon temps. Je ne vous paie pas pour visiter les maisons closes. J'exige de savoir où est mon frère. Quel petit fils de crocoporc. D'abord cette jongleuse, ensuite le bordel et maintenant les dettes. Par Sainte-Hélénore, dites-moi que vous mentez. Très bien, dans ce cas, prenez votre récompense. Inutile que je dépense un crown de plus pour salir le nom de ma famille. J'espère pour lui que les brigands le trouveront avant moi. Tu vois? Ouh. Chroniqueur. Dire que je pensais impliquer dans le meurtre de ma mère avec autant de dettes, même les esclaves refuseraient de travailler pour lui. Bon, bah, c'est cool. Voici une histoire menée à bien. Allez. À l'aventure, hors de cette ville, parce qu'elle me rend fou. Alors, je sais qu'on a des gens à massacrer ici, on peut le faire. Alors là, il y a un point d'interrogation, je sais pas ce qu'il faut faire. Sûrement des gens qui vont venir après, parce que là, il n'y a strictement rien. Ah, j'ai recliqué dessus, merde. Merde. Oh putain, le lag. Yes, ok. Je vais les prendre par surprise, comme ça ils sont tous entourés, ils sont tous au même endroit. C'est surtout ça que je veux faire. Les chargements sont un peu longs. Surprise, fragilité. Ok. Faudrait un peu plus de points en fait. Très bien. On a 2 points. Maintenant, on peut utiliser Liège. Parfait. Ah, ça va mal finir, toi. Ouais, voilà. Je me demande si la riposte
déclenche pas en fait son attaque entière sur le slash en fait. Je pense que oui. Hein. Je pense pas que c'est une attaque seule. Enfin, sur une seule cible. Ça fait un peu beaucoup. Il va falloir qu'on se repose, pardon, et qu'on reprenne de la bravoure là, parce que. Très bien. Et toi, t'as pas. Ah oui, voilà quand même. Bon, pourquoi tu t'es mis en joue, toi? Enfin bref. Il peut tuer des gens, j'imagine. Très bien. Ça va. Je pense que c'est potable en dégâts. Non? Alors, Will. Ok. Ouais, la lance. Mais j'ai loupé pour de bon? J'ai dû bouger. Je sais pas, ça a dû bouger. Marrant. Alors, mener. Alors, s'il va pouvoir le finir. Ça marche. Ils peuvent partir. Comme ça, ça s'est fait. Alors maintenant. Ouh, c'est aussi grand. Ouais, il faut localiser le temple, quoi. Alors, on va aller faire le boss. De toute façon, on va devoir se reposer et tout ça. Donc du coup, on va pouvoir se recharger en bravoure. Attends, je sais plus par où. Ouais, non, faut passer par là. Attends, il y a du... Vous avez de la nourriture? Et on a des conneries. Très bien, merci. On va se reposer là. C'est vrai que c'est une partie de la route où on n'est pas allé
Donc, c'est vrai que c'est bien. Alors. Oh! On a Lucie qui vient de monter, niveau 8. Ah! Je pense qu'encore une fois, on va se concentrer sur la force. Alors, les attaques ignorent 50% de la garde. Ah oui, nous, on avait mis quoi sur Kirik? Kirik, c'est la garde, je crois. Donc elle, c'est censé être un tank. Bon, elle fait aussi du DPS. Après avoir subi deux attaques, cette unité gagne déviation. Tempérance, c'est pas mal. Mais bon, elle peut avoir déviation un peu quand elle veut. Tant qu'aucune autre unité n'est adjacente à cette unité ou à son adversaire, engagée à la rivalité. Ça, c'est intéressant aussi, mais bon, elle va toujours être encerclée, aidée en fait. Donc je pense que les attaques ignorent la garde. Comme ça augmente son DPS. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal là. Ouais, on continue à utiliser les rats. Putain, je crois, j'en sais rien en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On garde les rats? Vraiment, on garde les rats de côté? Pour faire les potions plus tard. Enfin, les carcasses aussi, on devrait les garder du coup. Mais on n'a plus d'hydromel. On n'a plus de miel en fait. Aïe, 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 aïe. Quel bordel. Ah tiens, on a du porc. On peut peut-être faire des trucs. Alors, ragoût. On a quoi? Force, bravoure, vitesse. On a un boss à faire, autant mettre critique. Il y a Dex aussi. Ouais, c'est pas mal là. Ça nous fait la force en plus, la dex en plus. Bravoure, du critique. Bon, après la vitesse et le prix du marchand, ça c'est autre chose. Je crois que c'est pas mal. Ouais, je crois que c'est pas mal. Bon, à la limite, on n'a qu'à utiliser 10 rats et on en garde 10 de côté. 10 de côté, ça permet de faire une seule potion. Se reposer. Ouais. Alors, nickel. On est à 13 sur 14, on n'est pas full. Oh non. C'est parti. C'est l'heure du. Non, déjà, désolé. Boss. Merde, c'est par là. Oui, c'est par là. C'est l'heure du boss. Il est là. Non, on peut passer par là. J'ai jamais passé par là. Alors, toi, tu vas nous donner une bonne petite somme. Alors, qui es-tu? 15 ans à l'état d'esclave. 15 ans passés dans une mine. 15 ans sans voir la lumière du jour. Ok, Bane, calme-toi. Fenris Dread. Le conseil de Negros voudrait que je renonce à me venger. Je les tuerai tous. Niveau 10. Depuis qu'il s'est enfui, l'ancien esclave Fenris Dread a juré de se venger de Gozenberg. Le conseil du Negos ne compte pas lui en laisser le temps et réclame sa tête. Niveau 10, ça veut pas dire qu'il faut qu'on soit niveau 10. On a tué des trucs. Genre, on a une arme qui est déjà niveau 10 pour nous. Ils ont tous été très haut niveau, hein, les élites, comparés à nous. Bon, faut faire gaffe à nos petits camarades. À nos nouveaux. Pas qu'on soit dans la merde. Ok, bon, il y a déjà fragilité, c'est cool. Alors, 1000. Ouh, c'est une lance du coup. Ah, mais elle va être 9. Putain, fais chier, quoi. On va encore pas l'utiliser, c'est bien. Alors. Très classe.
La première fois qu'on va avoir une lance. Alors, éliminer les faibles, inflige 290 dégâts et force la cible à se désengager. Si cette unité était engagée, réinitialise cette compétence. Quoi ? Ah, ça veut dire que si on est engagé avec lui, il va nous taper une fois. Ça va nous forcer à désengager. Il va pouvoir retaper parce qu'on était engagé. Oh la vache. Waouh, pas mal. Pour la liberté, dégâts à toutes les unités dans la zone. Les repousse de 2 mètres et leur applique saignement. Applique sentence à l'ennemi le plus faible à portée. Cette unité est prise pour cible. Chaque fois que cette unité inflige des dégâts, elle gagne une application de courage. Gagner ou fuir. Quand l'unité atteint 10 applications de courage, elle gagne brutalité. Quand l'unité a moins de 20% de ses points de vie, elle décide de fuir le combat. D'accord. Aubert de Fenris. Fenris Dread a pris soin de retirer toutes les lanières et les cordons en cuir de ce Aubert pour les remplacer par du tissu ou du jonc tressé. Le résultat est étonnamment résistant. Cette lance... Alors c'est quoi? Libératrice. Cette lance devait appartenir à un garde de Grimir, mais pour une raison inconnue, Fenris a retiré toutes les parties en cuir. Ben, moi j'en vois encore du cuir, mais c'est pas grave. Alors... Alors là, il va faire son attaque, en fait, d'éliminer les faibles. Ça marche. Donc, il faut qu'on se buffe la défense. Ah oui, c'est vrai qu'elle a ça, maintenant. Aveuglement. Faut qu'on buffe sa défense. Faut qu'on buffe notre défense, pardon. Buffe notre défense, qu'on réduise ses dégâts. Okay, Lucie, toi tu te mets là et tu bouges pas. One Heart là, le cheval tu vas te mettre en retrait. T'es sérieux que ça va être la cible? Bon, bah, moi, ça me dérange pas. Il y a Klaska pour faire des dégâts. Liège, on va te mettre là. Ok, on a 4 tours. Donc. Bon, si on l'engage, il va pouvoir retaper. Bon, ça, c'est un problème. Donc, il faudrait se désengager. Mais bon, se désengager, c'est compliqué. Donc je pense qu'à la limite, on se désengage pas. Est-ce qu'on a besoin du buff de course? Je pense pas. Non, ça va. Non, bref, ça c'est les nouveaux. Ok. Alors, Lucie, tu vas tanker. Donc, affaiblissement. Affaiblissement, nickel. Posture défensive. Ok, très bien. Alors je crois que Orline va faire des trucs. Alors vas-y, fais voir. Poison, ça va être pour faire des dégâts. Saignement. Bah si ça crit. Non. Du coup, elle va aussi se mettre là. Donc maintenant on va tester. Ah, est-ce que ça va mettre un truc de fièvre ou pas? Aveuglement. Non, ça met pas de fièvre. Donc il a une chance de se louper en plus, c'est très bien. Maintenant on va taper pour faire taper Lucie. Ouh, bien, bien, bien. Donc il a 4 de fièvre maintenant.
4 de fièvre, agilité, 3 poisons. Très potable. Ok, il n'y a plus que 2 personnages. Alors, on va devoir utiliser 8 pour booster tout le monde en défense. Au cas où. Alors ça va faire mal normalement. 182, très bien. On va se mettre là. Alors... Il y a Menée qui pourrait faire le cri de ralliement. Ah merde, elle peut pas passer. Enfin, elle peut pas aller aussi loin. Ce serait pour booster en fait à cœur. C'est emmerdant. C'est un peu emmerdant pour booster à cœur. Mais il nous faut. Enfin, quoi que, on s'en fout à la limite. Tiens, comme ça s'allumait mes ripostes. Ok, loupé. Ah, du coup, ça la désengage pas. Ah, du coup, ça la désengage pas. Ah, énorme, énorme, énorme. Énormissime. Alors déjà, faire des dégâts. Très bien. Fureur. Alors, hacker devrait faire très mal en théorie. Je voudrais juste mettre saignement, ce serait bien. Non. 196. 147. Très bien. Il y a de la garde aussi. Putain, je suis con. Faut que je pense à la garde. Klaska, elle est où? Elle est là. Voilà. Pascal peut se mettre... Ouais, elle reste autour pour faire office de tank si jamais il tape. Alors, où est-ce qu'on peut faire des gros dégâts? Il y a toujours Will. Ah, j'aurais dû jouer Will pour le saigner, faire saigner aussi. Avant, Hacker, en fait. Ah putain, faut que je réfléchisse mieux. Et en plus, Hacker, il aurait pu aussi enlever la garde. Très bien. Oh waouh. Très bien. Attends, tu peux faire Kourou. Yes, bien joué Will. Bien joué Will. Ok, niveau 6.
C'est bon. Will peut l'utiliser. Menée, je crois qu'elle va garder cette lance. Enfin, quoi que les... Les dégâts seraient quoi? C'est 12. C'est 4 fois 12. Et quoi, 48? Et ça fait... Ah, mais ça se fait ralentissement et saignement. C'est plus intéressant, ça, honnêtement. Le ralentissement aide énormément à ce contre les cibles. Puis elle est plus haut niveau et tout. Donc là, tu vas prendre ça. Celle-là, on va la vendre, du coup, je crois. Et Will, du coup, tu vas prendre ça. Donc, alors, de la force, il désengage. Si l'unité était déjà engagée, réinitialiser cette compétence. D'accord. Donc... Putain, mais du coup, il a vraiment pris en dégâts, quoi. 91. 38. Mais ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Ouais, Will, il a... Là, il va faire mal. Parce qu'on n'avait pas de lance comme ça. Donc... C'est intéressant. Faut qu'on la monte en niveau aussi. C'est intéressant. Par contre, ça va désengager la cible. Ça, c'est embêtant. Mais du coup, il va pouvoir retaper une fois. En théorie, c'est ça. Il va pouvoir te faire deux fois ça. Puis en plus, Will, c'est un des gros DPS qu'on a dans l'équipe. Donc, ouais. Très bien. 1048. Ah, Will, c'est vraiment un des plus gros DPS qu'on ait dans l'équipe. Donc, bah, du coup, ça tombe bien. Il n'y a pas le truc de la fraternité pas loin. Ah, faudra aller les voir. Est-ce qu'on peut... Genre améliorer les armes là-bas, je sais plus. Je voudrais bien l'améliorer, parce qu'elle est à peine niveau 6 en fait, la lance. Ah, il faudra aller là. Non, le poste de garde, non, c'est pas ça. Ah, peut-être que là... Non, mais peut-être qu'on va y aller en fait. Oui, non, peut-être que là-bas aussi on peut augmenter. Je sais qu'on peut acheter des livres. Je crois bien. Ça, c'est des loups, on s'en fout. On va prendre de la nourriture. J'arrive pas. Ça va être le même. Ouais, ça va être le même, évidemment. Ça, on la vend. Elle était très bien cette lance. Très très bien marché. Ok, forteresse de la fraternité. Phrase, j'espère vraiment qu'on peut augmenter l'arme. De toute façon, on doit les voir. Vas-y, fais voir. D'après nos informations, vous êtes la troupe de mercenaires la plus efficace dans son enquête. En tout cas, vous êtes celle qui gesticule le plus. Sans vouloir rater vos investigations, il nous faut des noms. Le conseil de négoce se montre de plus en plus impatient. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Ne vous contentez plus d'interroger. Dès que quelqu'un vous semblera assez suspect, accusez-le et envoyez-le devant la justice. Ça marche exactement. Vous serez alors transporté au tribunal avec vos accusés et le procès commencera. Waouh, t'es sérieux? N'accusez pas au hasard non plus. Réunir le conseil de négoce est cher à la séance de justice. Est un échec vous fera payer, littéralement. Oh la vache. Putain, maintenant on peut accuser des gens en fait, si on est sûr. Oh la vache, c'est chaud. Ah yes, amélioré. Hop. Alors, ça. Donc, de 25, on passe à 32. Et attends, Will, il est niveau 8. De 32, on passe à 40. Ouais. Très bien. Voilà, 87 de dégâts. 87 de force, pardon. Will est bon. Après, oui, il a un peu trop de... Je sais pas ce qu'on avait fait avec... Enfin, les persos du début, on les a pas très bien faits, comme j'ai dit. À chaque fois, des fois, on mettait deux où il n'y avait pas vraiment besoin de mettre deux points. Mais bon, c'est les plus avancés. Ils ont plein de traits et tout pour un peu rectifier le tir.
Mais ouais, ils sont bien. Ah, Will, il va faire mal. Hein. Will, il va faire mal maintenant. Donc, respect, on a une maîtrise de compétences. Ça, j'avais dit que je les volerais à chaque fois parce que c'est trop cher sinon là. Ah oui, on a dit qu'on l'arc des trackers, bon, bah, c'est sympa, mais trop bas niveau maintenant. C'est niveau 2, je crois. Ouais, niveau 2. Enfin, requiert niveau 2. Bon. 640 sur 666. On est un peu lourd en fait, je trouve, mais après c'est parce que bah oui, on n'a pas trop de. Ah putain, le cidre. Oh la vache. Le cidre est très lourd aussi. C'est 0,5 la bouteille. Après, est-ce qu'on a d'autres armes à augmenter? Ça requiert niveau 8. War, niveau 8. Hacker. Hacker niveau 7. On peut augmenter la dague de hacker. Améliorer dague. Ça passe de 35 à 46. Bon, après, on a plus que 2000 hein. Bon, on va gagner 1000, mais un peu chaud quand même. Faire gaffe. 92, très bien. Après. Ah, toi, t'es niveau 6. On peut t'équiper. Ça y est, on peut t'équiper. On peut te rendre barbarique. Après, on a la hache à deux mains, niveau 10. Donc, ça sera pour Taurus. Donc, c'est pas encore maintenant. Là aussi, elle devrait faire très mal. Lucie, ta masse, elle est niveau 7. Maintenant, t'es niveau 8. Fais voir la masse. Putain, ça, je vais tout balancer mon argent là-dedans, quoi. Non, comme ça. 680 encore. Eh ben putain. Bon, c'est bon, on arrête là. Là, on arrête. Parce que je suis pas. J'ai trop fait. J'ai un peu trop fait. Je voulais pas. Ouais, non. Non, là, on a un trophée là. Ah, c'est sûr qu'on va être puissant, hein, mais ouais, non, là, on a vraiment trop fait. Genre, la masse de Lucie, ça valait pas le coup. Enfin, pas maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne sur le temple maintenant ou pas? Faites voir, on en est à. Ouais, on peut faire le temple. Ça dépend ce qu'on trouve sur le chemin. Oh putain, t'es sérieux? Cassez-vous les machins. Bon, merde alors. Oh, c'est des niveaux 8. Ah. Ok. C'est des niveaux 8. Niveau 8, on avait dit qu'on voulait bien prendre les laits dominantes, peut-être. Ouais, mais les laits deviennent pas grasses, en fait. Ouais, non. On peut garder celle qu'on a, là, de lait. Et après on prend genre 3 sangliers. On va essayer de prendre bon. Ouais, on va essayer d'en prendre 3. Ils sont 15 quoi. Ah, oh, on a que 3 de bravoure. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est pas bon. Je vais être honnête, c'est pas très bon.
On va se mettre là-bas parce que là il y a deux groupes, c'est la merde. Ah, très bien. On a suffisamment. Là du coup il n'y a plus personne. Ah 15 ça fait beaucoup, hein. 15 ça fait comac. Bon là il y a Lucie et l'ours, c'est très bien. Will, à part qu'il teste un peu son arme. Tlaska. Ça marche. Attends, ce qu'on peut faire c'est 8, on met là. Ah mais il va pas toucher les 3 si. Vas-y. Mal. Pas mal, pas mal. Qu'il y a des AOE là. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu vas... Non. Ah, merde. Très bien. Ah, yes! Il est mort du saignement spécial là de l'arc. Il y a 19 de vie, on va utiliser le rat. Très bien. Prochain, c'est là-bas. Alors Will qui teste son arme. Ah attends, non, on va tester son arme après. Faut d'abord engager. Genre. Ah mais putain, ça vaut le coup là. Très bon dégâts. Alors vas-y, fais voir comment ça fonctionne. Ah non, il va le défoncer. S'il fait un critique, il la tue. Donc d'abord on va tester. Donc elle est engagée. Donc lance. Ah merde, il faut être collé. L'ennemi est faible. Oh mais d'accord. Tu peux être encore un peu plus abusé sur les dégâts ou pas? Ouais. Ouais. Du coup, ouais. Bah ouais, ça va faire mal. Mais par contre, c'est faut être collé à la cible. Ça, c'est légèrement embêtant. Je pensais pas que. J'aurais pas pensé. Voilà.
Parce qu'il nous faut au moins un sanglier pour... Pour faire le temple, hein. Il nous faut de la nourriture. Ah, il y a lui encore. Un peu de nourriture, un sanglier ça devrait suffire pour tenir 2 nuits au moins. On a un peu d'argent de côté, enfin il nous reste plus beaucoup, il nous reste 1000 je crois de côté, c'est un peu con. Parce que voilà, j'ai voulu trop augmenter les choses. Mais ça devrait suffire. Et puis après, des sangliers supplémentaires aussi c'est bien pour le poids à porter. Parce qu'on va sûrement avoir plein de choses à porter quand on va ressortir du temple. Bien. Ah bah tiens. Yes. Très très bien. Lui on l'a toujours pas. Non, c'est pas lui. Ah mais attends, là je l'ai mis sur quelqu'un, sur le mauvais en fait. Oui, c'est toi qui as la hache du coup pour le moment, parce que t'es niveau 6. Bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. Faudra juste que... Bah, je pense à faire le truc de feu, parce que sinon je vais jamais le faire, le build de barbare là. Va devoir faire passer un tour. Le boss a pas pu faire grand chose, hein, honnêtement. Même avec. Genre avec le coup de l'aveuglement et tout ça. Là, je pensais même pas que ça allait fonctionner sur un boss, mais si. Le truc, il a même pas pu toucher Lucia, c'est même pas pris une baffe, quoi. C'était assez impressionnant. Ah, je crois que niveau 8, c'est un peu le tournant où on a quand même énormément de différentes habilités. Et si on sait un peu plus ou moins build nos persos avec une synergie en fait entre les personnages, c'est surtout la synergie en fait qui compte. C'est bien. C'est puissant. Alors, vu qu'on a des points, on va faire ça. T'as combien maintenant de force? 58. Ça peut nous faire en faire un deuxième.
Un troisième. De toute façon, il faut l'autre qu'on le mange, donc nous en faut quand même quelques-uns. Ok, très bien. Il va nous rester combien de temps après? Peut-être qu'on peut commencer le temple et après le finir plus tard. J'ai un peu merdé, j'aurais dû tuer avec l'ours. C'est pas grave. La merde, je suis pas à côté. Ah, c'est vachement pratique en fait. Peut-être les tuer, Kerik. Comme ça. Presque. Non, non, on les tue tous. Non, on a besoin de nourriture. Ah, il va mourir du poison et tout ça, non? Ah! 3 points de vie. Le machin, quoi. Voilà. Donc on en a eu 3. Yes. Ok. Donc on est trop lourd, c'est normal. Donc élevage, portée. Truffier. Ça en fait beaucoup des niveaux quand même. Je crois que le moment là, si vous aimez les animaux, ouais, si vous aimez jouer en fait avec les animaux, je crois que c'est quand ils arrivent, on arrive au niveau 8, je crois vraiment que c'est le moment en fait. Où vous allez vous faire plaisir, quoi, récupérer genre des loups et tout ça. Après, moi je suis pas fan des loups, hein, perso, mais ouais, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Donc on est à 720, très bien. Donc lui, on va le bouffer. Ça nous en fera 3. Il y a la lait que j'ai envie de virer aussi. Parce que c'est un élevage. J'ai envie de la virer, la lait, à un moment ou à un autre aussi. Mais il y a un truc qui est bizarre avec la lait. Attendez. Du coup, il faut faire encore. Il y a un truc qui est bizarre avec l'allée. Ou alors c'est juste parce que j'étais sur le. Bah non, regardez. Genre, sanglier d'élevage. D'élevage. Sanglier de trait. Là, elle a quoi? Peau épaisse. Peau épaisse, c'est le premier truc qu'elle débloque. What?
Ah. Les skills, ils sont pas dans le bon ordre. Je sais pas s'il y a eu une mise à jour. J'ai pas trop fait gaffe, en fait, si le jeu s'est mis à jour. Mais là, il y a un bug, là. Normalement, c'est... Normalement, c'est pas comme ça. Ouais, c'est pas comme ça. J'ai envie de... Ouais, j'ai envie de la tuer. Voir un peu ce que... Après, elle fait un tank, quoi. Tank de plus. Donc là, on va combattre des... On va combattre quoi dans la... les temples? Genre des rataupes et des... Des ghouls. Va être embêtant. Plus on est, mieux c'est. Quand même. Plus on est, mieux c'est. On va les garder, je pense. Il y a toi qui y passe, par contre. Voilà. Ouais, ça c'est bon, ça. Toi, tiens, on va te soigner. Là, ça nous fait de la nourriture. Très bien. Et après, on a du porc grillé à faire. Par contre, pour le porc grillé, on va prendre Liège. On va enlever ça. On va mettre à Liège. Appel à sel, voilà. Donc du coup, ouais, Liège, c'est pas vraiment Liège qui est censé faire ça. C'est Aetwald qui est censé faire le barbare. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, il n'est pas encore niveau 6. Tiens, du coup, on pourrait faire ça. Vas-y, va t'entraîner. Hop là, très bien. On va faire 20. Ouais, nickel. On va peut-être garder ça. Cidre aussi. Voilà, très bien versé. Plus que 900. 900, ça fait... Ouais, ça fait deux fois, ça va. Une seconde, par contre. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter là ou pas? On va peut-être s'arrêter juste devant le temple, et le temple, on fera la prochaine fois. Parce qu'après, le temple va prendre beaucoup de temps, en fait. Là, on peut faire ça. Là, on la restera. Ouais, c'est pas mal là. Après, faut gérer notre poids et c'est bon. Ok. Très bien. Sans déconner quoi. Okay. Nickel. Alors notre poids, tout petit peu trop lourd. Un poil, un poil. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait cuire toutes les les steaks là? On peut en faire cuire 8 de plus déjà. Non, pas 28. Pas 28, 8. Merci. Ah, passé apprenti, très bien. Ok, nous on n'est plus qu'à 1. Donc maintenant on peut changer un peu ce qu'on avait fait. Donc les sangliers, on va leur mettre des pochettes.
Très bien. Voilà, on a de la nourriture pendant 8 jours et on a 2 salaires. Donc on peut rester quand même quelque temps. Je pense qu'on est bien. On est bien pour le temple là. Je pense qu'on est bien pour le temple. On va aller le trouver. Il y a des bandits apparemment. Avec un crâne, c'est-à-dire un renfort. Ils n'ont pas l'air très puissants. On a une mine. Après, on peut se balader et faire les choses. Parce qu'il n'y a pas que le temple, hein, sûrement. Ça, c'est quoi? C'est du métal. Il n'y a sûrement pas que le temple. Hein. Ah, là-bas, on a un rat. D'accord. Il y a pas mal de rats. Hein. Il y a pas mal de rats. Va vraiment falloir que. Attendez, on va le marquer sur la map. Invasion de rats, très bien. Faut vraiment qu'on le fasse. Mais on va les faire, mais on va faire ceux qui sont un peu dans les autres régions là. Genre un peu plus loin, un peu plus en retard. Genre là, on en a un qu'on n'a pas fait. Ça va sûrement être bas niveau et tout, mais que voilà, on commence doucement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rats et puis on a du nouveau monde à chaque fois. Je le répète tout le temps, mais c'est important de. Oula! Oula! Le contremaître et l'esclave se sont entretués. Ok. Regardez. Des traces de pas semblent mener vers l'extérieur. Peut-être que quand les suivants, vous trouverez survivants, acceptez. Mais attends, j'ai pas tout. Ok, on a les traces maintenant. Intéressant. De saphir. Je me suis loupé. Ah, de saphir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cet esclave semble avoir été piétiné par une foule. Cet homme était un contremaître des Overndorp. Il est mort, la gorge tranchée. Le contremaître a reçu un coup dans le dos. On est déjà à 720 sur 730. Pourquoi on est tout aussi lourd? C'est toute la viande maintenant. Oui, c'est toute la viande, ça. C'est normal. Eh ben. Beau massacre. Alors regardez, on va suivre les traces. M'étonnerait que ce soit eux. Ah, encore des sangliers, t'es sérieux? Mais cassez-vous, quoi. Ah, oh, putain! Le domaine d'armes, non. On est déjà venu là? Ouais. Oh, ça va faire une journée qu'on suit ça là. Ah, quand là peut-être?
se repose. Ou je sais pas où on va là, mais j'ai vu qu'il y avait des gardes qui combattaient aussi. Ok, ça va. Will, t'as quelque chose à dire? Quel combat, mais quel combat! Vaincre un champion comme Fenris Dread, ça fait de nous des héros. Le très vaillant. Un point d'attribut. Vaillant, c'était quoi? Ah oui, c'est quand on n'a pas beaucoup de points, on en gagne, de bravoure, je crois. Mais du coup, est-ce que plusieurs personnes, est-ce que ça se cumule? Genre, si on commence avec moins de 2, on en a 2 gratuits. Enfin, ils nous en donnent 2. Je sais pas trop. Je pense pas que ce soit trop utile, parce que c'est quand même extrêmement rare hein, qu'on soit à court de bravoure. C'est extrêmement rare. Je crois que c'est pas encore arrivé que Vaillant aide, parce que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà Vaillant. Donc, moi, je dirais des points d'attribut en plus. Moi, je dirais. Histoire que encore plus puissant. Toi, par contre, t'as pas trop de critiques. Bon, on peut te mettre à 15. 15, c'est pas mal de critiques. C'est pas mal. Parce qu'on a déjà un vaillant, mais encore une fois, on ne sait pas si ça se cumule. Faudrait que il y ait écrit genre entre parenthèses, genre cumulable. Je peux qu'il y ait vaillant de la troupe. Kirik. Non, je crois que c'était Méné. Vaillant. Si le groupe commence avec un combat avec moins de 2 points de bravoure, confère jusqu'à 2. Confère jusqu'à 2. Ouais, donc bon, s'il y a deux vaillants, qu'on fait jusqu'à 4. Je sais pas. Bon, déjà, on va voir le coin. Alors, quand on était attaqué par des bêtes sauvages. J'ai vu que là, il y avait des mecs. On s'en fout, on va les ignorer. Bon, eux. Ben, qu'est-ce qui se passe là? Bonjour. On vient mettre tout le monde d'accord. On ne se rendra pas, on ne retournera pas dans la mine, dans les mines, plutôt mourir que de rester esclave. Si c'est ce que vous voulez, désirer. Si ce que vous voulez, désirer. Mercenaires, par ici. L'œil guide nos pas, l'œil guide nos pas. Encore cette rengaine. Bon sang, mais vous avez perdu l'esprit. Mercenaires, aidez-nous à arrêter ces forcenés. Vous serez grassement récompensés. Celui-ci est votre côté, mercenaire. L'œil guide nos pas. Nous ne faisons que reprendre notre liberté. Guide nos pas. Mais vous êtes fous. Hein. Ouais, non, mais Jewel, je l'aime pas trop. Hein. On va le défoncer. Ça a l'air d'être un fanatique, on va le défoncer. Putain, on n'y va pas au temple, quoi. C'est abusé. La prochaine fois, on ira. Prochain épisode. Peut-être. Si on n'est pas interrompu toutes les 5 minutes pour des trucs. C'est incroyable, quoi. Tellement de choses, tellement d'événements et tout ça dans le jeu, c'est incroyable. Ouh, fou, 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 fou. Ok. Ouais. Ok. C'est pas de la merde non plus.
Alaska. Il nous faudrait là, il nous faudrait... Lucie. Là. Ok, l'ours. Ok. C'est pas mal. Ah, c'est marrant, ça c'est un glitch qu'il faut qu'il corrige. Notre attaque principale de l'arme, elle est à tout à droite. Elle devrait être à côté en fait, ça doit être la première chose. Ah, ces petits lags, honnêtement, c'est un peu catastrophique là en ce moment. Bon bah, Lucie. On a quoi ça? Non, mais qui pour engager en fait? Ah! Du coup, on n'a pas grand monde. Bah, classe K, je l'ai mis où? Ah bah je l'ai mis là. Je me disais aussi. Oh, c'est bon les lags. Ok, un truc que je veux tester, c'est Will. Ah mais il va le tuer encore, putain. Mais là il va le one shot. Ah oui. Après, vu qu'il était engagé, mais qu'il est mort, est-ce que ça reset ou pas? Non. Non, il faut que ça désengage en fait la cible, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a les mecs. On va mettre l'ours là, on va mettre Wit en plein milieu. Ah, non. Là, les deux devraient mourir. Honnêtement. Hop. Mon Dieu. Je pense qu'on a fait la guerre des 30 au bon moment. Où on était un tout petit peu plus puissant que la normale. Enfin, que... Mais après, on n'était pas... on n'était pas extrêmement puissant non plus. Donc on a lutté. Et surtout, c'était une centaine, quoi.
Mais là, on est. Honnêtement, notre puissance a vraiment, vraiment augmenté. On a pris quelques niveaux à peine. Genre un ou deux niveaux, je crois, depuis. Peut-être un même. Peut-être que j'ai un, en fait. Mais. avec toutes les armes et tout qu'on a pu récupérer. Ça a vraiment changé notre puissance, en fait. Puis, on a fait une très très grosse synergie aussi entre les personnages. Encore plus que d'habitude. Enfin, plus qu'avant. Donc, ouais. Oh, joli! Bien joué, Septel. Bien joué. Nickel. Est-ce qu'on peut tuer tout le monde avant qu'ils partent? Moi, je dis pas non, hein. Parce que comme j'ai dit, il nous faut quand même du matos. Puis ça se passe bien, donc. On a encore beaucoup de gens à jouer là. Nickel. Bon, je peux faire ça, on a plein de points. Pas mal. Et il te faudrait provocation, toi. On fera ça pour la prochaine fois. Mais il faudrait provocation. Ça aussi c'est intéressant, mais peut-être une arme, une masse à deux mains. Un truc que je peux faire. Vu qu'il a beaucoup de vie encore, c'est augmenter les dégâts de hacker en fait. Oh, yes, saignement, yes. Ah, c'est bon, il va le tuer là. Ah, il y a quatre, il y a deux de fièvre. Non, il y a quatre fièvres. Encerclement, saignement, poison trois fois. 144 de dégâts de base. Voilà. Et puis s'il le tuait pas comme ça, je le tuais avec. Avec ça. Bon, il reste plus qu'un mec. Je pense que c'est bon. On a dû jouer avec War à la fin en fait. Genre on l'encercle d'animaux puis après on les fait tous attaquer en même temps, mais ça devrait être suffisant je pense. Oh merde, non non, ça sera pas suffisant parce que je peux plus attaquer. Merci. Attends, je peux passer avec lui. Oh. Ah, je pouvais plus me placer. Trop bien le mec. C'est vraiment mis au mauvais endroit quoi. Ah, voilà. Voilà. Arnois plein, ça c'est très très bon. Je sais ce que Lucie utilise. Sauf que elle, c'est niveau 6. Et là, on a un autre.
30 d'armure de plus et garde plus 2. Ça, c'était... Ouais. Ça, c'est un arnois. Et là, c'est un arnois plein. On a plein... On a peint les plaques de ce arnois pour le protéger de la pluie. Bon, par contre, on perd un peu de force que j'ai pas les trucs dessus. Ça, c'est niveau 6. Donc, du coup, on peut le donner à Klaska. Non, Klaska, elle a mieux. Elle a un truc pour les niveaux 6, mais en or. Arnois de maître. Le poids de ce harnois est si parfaitement réparti qu'il donne l'impression illusoire qu'il est moins lourd qu'une armure ordinaire. Donc, Liège. Ouais, Liège, c'est pas mal. Alors, il y a des dégâts critiques qui partent, quoi, mais c'est pas vraiment grave. Toi, tu vas être tank. Tu vas être un tank. Après, c'est... Après, les trois autres, c'est du moyen, je crois. Hein, tu vois. Toi, je sais plus. Ouais. Ouais, c'est tout du intermédiaire. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Bon, bah, celle-là, on peut la vendre. Ça aussi, on peut. Nickel. Oh, c'est super bien passé. Gain d'influence après le combat pour libérer un lieu augmenté de 20%. Ouh, cool. Merci pour le coup de main, mercenaire. Vous êtes au moins aussi efficace que la fraternité. Plus même. On peut pas tolérer que les esclaves battent la campagne comme ça, surtout après avoir massacré leur contre-maître. Hein, cela risquerait de donner des idées à leurs congénères. Alors, si seulement vous étiez arrivé plus tôt avec vous à nos côtés, aucun ne serait enfui. On peut l'accuser. Requiert 300. Vous perdez 300. Si vous ne prenez pas, c'est quelle priorité? Ok, ça va. Questionnaire. La révolte s'est produite en même temps que l'assassinat de la négociante. Apparemment, les citoyens ont fourni des armes aux esclaves et les ont aidés à massacrer leurs gardiens. Les citoyens ont fourni des armes aux esclaves. Ok. Ma jambe me fait souffrir, ces vermines ne sont pas ratées. Non, pas raté. L'œil Guinnopa, c'est le nom d'une prière, mais dans leur bouche, on aurait dit une sorte de cri de ralliement. Peut-être que ceux qui l'ont délivré le leur ont appris. J'avoue que c'était un peu étrange. Est-ce qu'il y a des... ça? Ouais, c'est un peu étrange. Ah mais du coup on est là, c'est revenu là en fait, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va récupérer notre argent, je pense. On va aller récupérer notre argent en ville. Et vendre ce qu'on doit vendre. On va s'arrêter là et ça sera la fin de notre épisode. Et la prochaine fois, on va au temple. Oui. Absolument. L'apothicaire, qu'est-ce qu'on a à faire? Ah oui, du coup, on n'a plus de... Enfin, l'apothicaire, je crois qu'on n'a rien à faire de toute façon. Oui, si, faire des remèdes. Faire des remèdes minables. Enfin, faut, non, en fait, non. Est-ce qu'on fait des huiles? Là, il y a quoi? 30% de dégâts subis, affligé, unité pestiférée. Les dégâts au monstre pestiféré. Sur qui ça irait bien? Sur Will peut-être? La lance de Will. Et ça, il faudrait quand même l'utiliser. Hein. La lance de Will, elle n'utilise pas un check en fait, un check de stats. Il y a Lucie qui utilise un check de stats donc. La force, faudrait qu'augmenter la force sur l'arme, j'imagine.
Bon, Kirik, lui, on lui a mis pour ce moment l'huile de force, parce que ouais, bah, il a une force immense en fait avec la masse. C'est bien pour one shot, j'en sais rien en fait. Ah là 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 là, Appara. Alors il y a ça aussi, la zone odorante. Est-ce qu'on en fait ou pas? Parce que ça peut aider. Enfin, ça aidera pour les rats surtout. Parce que est-ce que même dans le temple, ça peut aider? On peut en faire un peu. Voilà, 3 x 4. Non? Enfin, je pense. Ça peut être pas mal. De rage, non. Le glante. Tiens, on a des trucs à vendre. On a quoi? L'huile de protection, l'huile poisseuse. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Tiens, on peut peut-être en voler une. Ah, attendez. Attendez. Non. Merde, c'était quoi déjà? L'objet? Ça. Réduit le gain de soupçon. Alors, protection, j'imagine un peu ce que ça veut faire, mais par contre, l'huile poisseuse, je ne sais pas ce que ça pourrait faire. Genre, ça ralentit. Je vais voir un peu. Le compagnon commence le combat avec déviation. What? Intéressant. Mais du coup, c'est une huile, donc tu le mets sur l'arme? C'est intéressant, ça. Pas mal. Très intéressant. Très très intéressant. Ah bon, on en a déjà une en plus de potions pestiférées, ouais. Je pense qu'on va mettre ça sur la lance pour le moment. J'en sais rien. Non, honnêtement, je sais pas comment faire les huiles. Enfin, je sais pas comment bien gérer les huiles. Parce que c'est tellement rare pour le moment. J'avoue qu'une compétence inflige des dégâts à un ennemi qui saigne. 10% de chance de déclencher des dégâts de saignement, ça aussi c'est bien. Là, on a de la force. On en a deux d'huile, on a pestiféré et force. Vivacité, c'est bien pour bah, bouger. Poisseuse, du coup, ça c'est très pour la défense. Para, l'huile acide. Chaque fois une compétence infligée de dégâts, 30% de chance d'appliquer brûlure. C'est pas mal ça. Ah, on pourrait faire un truc, c'est 30% de chance d'appliquer brûlure sur la hache. Je trouve ça intéressant. Mais bon. Après, il faut. Après, non. Non, le mieux, ça reste quand même d'avoir des trucs de brûlure. Eh ben, je sais pas. Je pense que pour le moment, ça va être. Augmenter la force. Que elle fait quand même très mal. Ou alors. On augmente la force à classe K. Parce qu'elle aussi, elle fait très mal. Et elle est bien son épée au final. Hein. Je crois qu'on va la garder celle-là. Enfin, c'est celle-là qu'elle va utiliser. Ah, maintenant, on peut lui mettre celle-là aussi. Donc.
Si l'unité est déjà engagée, elle gagne protection pendant un tour. Pas mal. C'est pas mal sans plus. Je pense que le fait de tuer, de pouvoir récupérer 2 points est quand même mieux. Parce qu'elle, elle fait très mal. Et pour Will... ouais. Moi je le vois bien aller défoncer en fait les trucs de rats en fait dessus. Donc on va mettre ça. Ouais, comme ça. Et après la force sur... Lucie elle a déjà beaucoup de force de base. Pesca. Voilà. Ah, je prends du temps à faire mes choix. Putain, c'est horrible. Mais voilà, c'est ça encore, c'est des trucs à faire, genre des trucs à farmer longtemps et tout. Moi, je... Vu que je fais strictement, enfin, qu'il y a 99% du jeu en vidéo, du coup. Bah, je vais pas farmer pendant des trucs pendant des heures, on va faire quand même de l'exploration et tout ça, hein. Sinon, sinon ça va tourner en rond quoi. Ok, très bien. C'est pour ça que je suis allé... farmer, enfin farmer entre parenthèses, trouver des gens en fait, des nouveaux gens pour notre équipe, parce que sinon... hors vidéo, parce que sinon c'était genre 3 ou 4 heures de jeu. Hein. En fait, hein. Pour avoir les bons personnages, il faut au moins 2, 3, 4 heures. Ça dépend, c'est complètement aléatoire du coup. Donc, nickel. Donc, le tombeau des anciens. Après, c'est juste tuer des gens, donc on le fera sur la route si jamais. Très bien. On peut faire des torches, hein, pour en faire plein. Ça, je vais en garder une centaine. De la graisse, il en faut pour faire les torches. Parce qu'on va avoir besoin de torches. Je crois qu'on en a 2 ou 3 de réserve. Mais il nous en faut quand même un petit groupe de torches. Parce que ça va coûter cher en torches d'explorer. Ah si, on a encore un peu d'hydromel, j'avais pas vu. On a combien de torches? On en a 2. On a 2 torches, on a des bombes, on a des fioles incendiaires. Fioles incendiaires, je pense qu'elles vont être utiles aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme personne? Rapide et chétif, lancier. Coopératif et dépressif. Super. Fort et coopératif, lancier. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. L'épisode est déjà assez long comme ça. Non. Et on continuera la prochaine fois. Donc comme j'ai dit, prochaine fois, ça sera sûrement donc le temple, pour de vrai cette fois. On a rien de... des attelles. Python, on va en faire 5. On va en faire... Enfin, j'ai pas trop de métal, donc... Non, on va pas en faire... Ça va, on est bon. Les torches, c'est ouf. Torches, on peut en faire 27. Donc, c'est bon. Non, on est bien. Honnêtement, on a le matos. On peut aller faire le temple sans trop de problèmes. Puis, bon, un moment ou un autre. Je pense qu'au bout d'un moment, on va quand même combattre des trucs peut-être nouveaux. Donc, on a des potions anti-peste. Si jamais on en a besoin. Voilà, quoi. On a du matos. On peut se soigner, on peut manger.
On a des cochons en plus. Donc, ouais, on est bon. Prochaine fois, temple. En tout cas, j'espère. À la prochaine. Ciao.